Attention, ce jeu contient des scènes de violence sévère et de gore. Si vous ne voulez pas les voir, fermez le jeu maintenant. Ouais, maintenant, là. Ok, right. No. This is an outrage. Ok, so. Wesh les polios, hi everyone. C'est TWSP195, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu, le premier jeu Whack Your, et on va jouer à Don't Whack Your Teacher. Donc, c'est un jeu où nous, en tant qu'élèves, par exemple, on a de mauvaises notes. Genre, par exemple, on a révisé pendant un mois. Et on a une note, par exemple, 4 sur 20, 4 out of 20. Et on veut se venger de notre prof. Pour dire qu'est-ce que ça fait de me donner une mauvaise note alors que j'ai révisé pendant longtemps. On va être en mode vraiment I'm gonna whack you. Bon allez, sans plus tarder, c'est parti, on va jouer. Ok. Et bien sûr, le jeu se situe sur le site boxten.com, là. Donc vous pouvez jouer, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller voir. Donc ok. Le prof, il est en train de blabater là. Et là, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le truc pour envoyer du gaz? Le thermos? Là. Non, mais qu'est-ce que ce truc qui fait la batte de baseball dans le bureau du prof là? What the hell? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le ciseau? Ou les ciseaux? Le stylo? La graffeuse? Oula, la chaise? Le sac? Le livre, le parapluie, la prise électrique, le pot. Après, je crois que c'est tout. Hein. On va garder un objet pour la fin. À chaque jeu Whack Your, on va regarder un objet pour la fin. Et je vous propose qu'on garde. On va garder la chaise. On va garder la chaise pour la fin. Bon allez, let's do this. On va commencer par allez, on va commencer par le thermos. Oh, il fait semblant. Non. On a fait semblant qu'on a eu mal à la jambe parce qu'on est tombé. Mais non seulement après, on a pris le thermos, on a fait rah, 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 take that, you. On était en mode comme ça. Et après, on lui a pissé dessus avec le truc. Bon allez, on va faire next. Allez, c'est parti. On va continuer avec le truc pour envoyer du gaz. Allez. Oh. Oula. How dare you? Oh. Ah, le pauvre est en train de décéder. I'll take that. Bon, voilà, c'est le décès imminent là. Bon, allez, on va continuer. Next. Maintenant, on va continuer avec ça. Le pot. Oh my god. Non. Alors là, il doit être en mode ah, it hurts. Voilà. What? Oh. Non, tu vas pas le faire quand même. Oh my god, là! Non mais, là, on tue notre professeur d'une manière vraiment très illégale, hein. It's very illegal. Non, je pensais que l'élève allait genre le taper ou quelque chose comme ça, mais il l'a poussé dans le vide. Du coup, on va continuer, next. On va continuer avec la prise électrique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'électrocuter. Ah, il l'étrangle! Oh.
Wow. Ah bah alors là, je pensais qu'avec la prise électrique, il allait genre l'électrique en mode electrocuting, mais en fait, il l'a pas électrocuté. Du coup, il l'a étouffé, et je trouve que c'est déjà assez bien. Mais je me demande comment il a pu faire ça, alors que le professeur, il est plus haut que le mec. Non mais what the hell? Allez, on va continuer. On va continuer avec la graffeuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller agrafer le visage. Ow. Oh my. Non mais vous avez vu ce qu'il a fait? Non mais les kills qu'on fait là, on dirait vraiment comme dans Yandere Simulator. Bon, j'ai pas encore joué à ce jeu, mais j'ai déjà fait des vidéos. Peut-être que je jouerai plus tard. Non mais j'ai eu peur qu'il agrafe le visage comme ça. Ben ouais, notez mon accent québécois sur 10. Et je suis pas au Québec, hein. Je suis en France, mais je fais l'accent du Québec parce que j'aime bien. Alors, on va continuer avec le parapluie. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec le parapluie? Ashamed of you. How dare you? Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ouvrir? Ouvrir le parapluie, ce serait tellement drôle. Qu'est-ce qu'il va faire alors? What the hell is that? Non mais je pensais qu'elle allait ouvrir le parapluie ou quelque chose comme ça, mais à la place enfoncer dans le corps, dans le corps du mec. Bon, allez, next. 6 sur 13. On va faire quoi après? Oh, il y avait même ça, je l'ai pas vu, tiens. On va le faire après le stylo. Allez, brac. Qu'est-ce qu'il va faire alors? How dare you? Là. J'ai jamais vu un kill aussi douloureux. C'est encore plus douloureux que la graffeuse. C'est bon, il est dead là. On dirait un serial killer le mec. Bah allez, on va continuer hein, sans plus tarder. Non mais, regardez, le mec, il est dead là. He got killed. Alors, on a dit après le stylo on allait faire ça, mais on va le faire. Allez, let's do this. Oh, how dare you? And his name is John C. What? On a pété le vache déjà sur sa tête. Ensuite un bout de vase dans sa bouche, dans sa gueule. Ensuite un mode kick, un mode John Cena là. Ensuite un mode take down, you're gonna pay. Et là, à chaque fois, on lui marche dessus, on part avec notre sac. Avec notre sac à dos. Allez, on va continuer. Est-ce qu'il y a des choses qui me manquaient? Alors la chaise, on a dit pour la fin. Le livre. Allez, on va faire le livre. Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre? I am ashamed. Bon, ça va. Oh là, par contre. Là. Non mais là les kills sont en mode vraiment en mode what the hell. Les élèves, ils font jamais ça encore. D'ailleurs, si vous avez passé une mauvaise journée à l'école, jouez à ça. Comme ça, par exemple, vous vous êtes vengé de votre prof. D'ailleurs, racontez-moi en commentaire les injustices que vous avez reçues à n'importe quelle école, l'école primaire, le collège, le lycée. Vous pouvez me dire en commentaire. Moi, je vous raconterai la mienne en commentaire. Non, mais là, rien qu'en voyant le sang, là, je me suis dit, what the hell?
Bah allez, on va faire next. Problème. 9 sur 13, on en manque 4. Allez, on va faire Il me manque pas des trucs là. Le ciseau, allez, le ciseau. Les ciseaux. How dare you? I am ashamed of you. Oh my. Là, il doit vraiment être en mode Ow, that was painful! Il doit se dire How I'm gonna survive! Bon, bah, on va faire next. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Déjà fait? Non. 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 Vas-y, le sac. Oh! Oh! Un petit cadeau pour son anniversaire! Oh, c'est un briquet! C'est de la. C'est. Flint and Steel? Ah! Poor teacher! Oula! Là, ça doit être douloureux par contre. Et là, oh my god! Non mais. Mais sa tête, elle a explosé là! Comment c'est possible? What the? Non, il faut pas dire de gros mots. Faut pas dire de gros mots. No bad words. Sinon, on va être démonétisé. Je veux pas être démonétisé, moi. Mais, what the hell, là? Ce jeu est complètement, tout par un steak. Non, mais what the hell? Bon, allez. Il nous reste deux kills à faire. Le stylo, c'est fait. La graffeuse, c'est fait. Ciseaux aussi. Il me manque pas un truc. Je vais fouiller partout. Ah oui, la bête de baseball, on l'a pas fait, je crois. Ah non, on l'a pas fait, c'est bon. Donc. Aouh! Oh, 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 oh. Alors là, c'est vraiment pas une fois à ce moment. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il a explosé la batte de baseball! Non mais, what the hell? Je suis complètement en mode Yandere Simulator là! Parce que vous voyez? Le mec il fait quoi? Il bute le prof! On va aller, next. Il nous manque le dernier kill. Ce que je vous dis, on garde pour la fin, c'est avec la chaise. Est-ce que j'ai raison de garder pour la fin? Allez, prêt. Let's go. Et... Oh my god. Elle a perdu toutes ses dents. Ah ouais. J'ai pas ça. Même pas fait de moi. Oula, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'on termine le professeur? What? Le prof me dit Oh pitié! Leave me alone! Please! Eh ben non! L'enfant a dit non! Il a dit non! Get wrecked! Eh ben du coup, CFA next. Là, on a fait les 13 kills. Du coup, CFA next. Ah! On a fini le jeu! Voilà! En 15 minutes, on a fini le jeu. C'est vraiment excellent. Franchement, je vais dire, j'adore les Wacker. Donc, je vais arrêter le clip. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Thank you for watching this video. Si c'est le cas que vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez de la commentaire, partagez les vidéos. S'il vous plaît. Et déjà, racontez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, racontez l'une des pires injustices que vous avez reçues à l'école. L'école primaire, le collège, le lycée. Moi, je vous raconterai la mienne. Et également, je vous propose de noter mon accent de Québec sur 10. Si vous mettez par exemple 9 sur 10, 10 sur 10, là, ça veut dire que je peux vraiment aller au Québec et parler avec les autres. Bon, allez, bye bye everyone!